mes amis. Mon verre. Bouleversante. Oui, nous allons vous présenter un mouton à cinq pattes. Mais de même que les trois mousquetaires étaient quatre, ce mouton à cinq pattes, lui, en a six. Car le mouton à cinq pattes, est-il besoin de vous le dire, est le titre d'un film dont les principaux rôles sont tenus par les six plus grandes vedettes de l'écran français. En effet, le personnage bien parisien de Alain de Saint-Forget est interprété par Fernandel. Vous ai-je fait mal? Ça fut un plaisir. Hey! Dans le rôle de Bernard, le journaliste, vous verrez Fernandel. J'en ai marre. La famine aux Indes, c'est pour Saint-Forget. Les enfants martyrs, c'est pour Saint-Bernard. Partout ça saigne, partout ça pleure, c'est pour moi. Il y a 20 ans que ça dure, depuis 3 ans, le raccommodeur des cœurs brisés, tante Nicole. Désiré, le laveur de carreaux, c'est Fernandel. Étienne, le capitaine de cargo, c'est encore Fernandel. Maintenant, si quelqu'un veut m'empêcher de respirer, qu'il le dise. Quant à l'abbé Charles, sosie d'un autre curé célèbre... Regarde. C'est toujours Fernandel. Ça ne te rappelle rien, ça. Enfin, dans le rôle du père Saint-Forget, vous admirerez Fernandel, naturellement. Mais c'est pas fini. Lequel d'entre vous est le dénommé Désiré Saint-Forget? C'est moi. Je vous arrête. Quoi? Pour escroquerie. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi vous expliquer. Je... Du courage. Adieu. Je vous devrais beaucoup et je ne sais même pas qui vous êtes. Une fée? Une fée à barbe. Vous n'avez bien le droit d'embrasser une fée. Oui. Tu crois qu'il n'y a pas de quoi devenir fou? J'ai demandé à Monseigneur de m'enlever d'ici. Il a accepté. Je m'en vais. Missionnaire au pôle Nord. Seigneur, je n'avais pas mérité ce châtiment. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour vous offenser? Charles. La contagion. Henri Verneuil a réalisé Le mouton à cinq pattes d'après un scénario original d'Albert Valentin, adapté par René Barjavel et Henri Verneuil, dialogué par René Barjavel avec le concours de Jean Mans, Jean Marsan, Jacques Perret, Henri Troya, Raoul Ploquin. Vous verrez également dans Le mouton à cinq pattes la plus jeune de nos grandes vedettes, Françoise Arnoul, Édouard Delmont, Noël Roquevert, Louis de Funès. Et hop. Arrêtez quoi? Pourquoi la bonne maman? C'est que vous savez ça, avec ses soutiens-gorge modernes, bien...